Bonjour, je m'appelle Sylvain Deplace, je suis un alumni Grenoble INP, diplômé 2020 INSECUB, et je suis le cofondateur, directeur technique et du produit de Tolv. Tolv, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise qui emploie 25 personnes, créée à Grenoble, et qui est aujourd'hui en partenariat avec Renault pour faire du rétrofit. Le rétrofit, qu'est-ce que c'est ? C'est l'électrification de véhicules essence, diesel. Tout simplement, ça consiste à enlever le moteur thermique et le remplacer par un moteur électrique. C'est une solution qui est à la fois plus écologique pour la planète, car vous économisez les ressources en ne jetant pas le véhicule d'origine, et à la fois plus économique pour le client. Alors, Tolv s'est vraiment fondé grâce à Grenoble INP. Ça a été pendant nos années d'études, là où ça a commencé académiquement. Et puis ensuite, nous avons été étudiants entrepreneurs accompagnés par la Fondation. Nous avons bénéficié d'une bourse à hauteur de 3000 euros par la Fondation qui nous a vraiment permis de nous lancer. Et puis, il y a eu encore d'autres événements comme un communiqué de presse qui a été repris par France 3, ce qui nous a permis d'avoir nos premiers clients, prospects et également salariés qui sont venus grâce à ça. Nous avons eu l'incubation de Grenoble INP INSECUB, nous avons eu l'incubation aussi avec le G2E Lab, et tout ça, ça a permis de nous lancer en 2020 et vraiment voler de nos propres ailes. Encore aujourd'hui, on publie de nombreuses offres de stage à destination des étudiants, principalement INSECUB, mais également NCMAG FELMA. En conclusion, moi je suis très heureux de recevoir aujourd'hui ce trophée IN Partners, que je remercie. Je remercie également la Fondation. Dans le futur, on compte collaborer toujours plus avec Grenoble INP, que ce soit avec les projets ingénierie, que ce soit avec le réseau qu'il y a autour de cette école, dans la volonté de faire vivre le vivier grenoblois.